myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Bien sûr, la séduction est notre arme première, mais nous en avons d'autres. Nous sommes plus discrets. Je gagne ma vie. Jeune étudiante, raffinée, pour homme galant et courtois. Sérieux? Ça te gêne? Ça dépend. Je couche avec des hommes. Quoi? Tu promets qu'il n'y a personne d'autre? Dis pas n'importe quoi. C'est une blague? Bah non. Bah si, c'est une blague. Mais j'ai un dernier service à vous demander. L'adresse de cette traînée qui trompe son mari avec le mien. Nous avons passé la journée ensemble à Londres. Et jusqu'à minuit. Et comment vous le savez? Bah, vous commencez à le connaître. Il aime bien jouer avec le feu. Toujours à deux doigts de se faire prendre, n'est-ce pas? On dirait presque qu'il le fait exprès. Mais bien sûr qu'il le fait exprès. Les soirées que vous passez ensemble ne sont que plus torrides. J'ai jamais fait ça. Qui ça? De qui tu parles? De quoi je me mêle? Comme tu connais pas. Je t'emmène chez toi. C'est ça. Retourne chez ta femme. L'histoire d'Angie est celle d'une provinciale montée à Paris pour tenter sa chance dans le monde de la chanson. Le même jour, à la même heure, elle avait rendez-vous pour deux castings. Le premier pouvant lui permettre d'entrer dans la troupe des Claudettes, l'autre de travailler avec un chanteur belge émergent, Chris Conti. On ne saura jamais pourquoi elle a choisi le chanteur belge. La seule choriste à accepter de participer aux Naked Singers. Et l'on se souvient de son fervent engagement militant envers et contre tous. C'est pas la fin, on ne nous fera jamais taire et on va continuer à faire des concerts, on a encore beaucoup de dates. On a vraiment envie de servir Chris et son art au maximum, donc voilà. Non mais c'est vrai que Chris est très très exigeant, mais il a tendance à s'énerver de temps en temps sur certaines d'entre nous, mais c'est toujours mérité. Elle fut renvoyée par Chris. On dit qu'il s'assura qu'elle ne puisse plus jamais travailler dans le milieu de la chanson. Angie sut rebondir et anima l'une des premières émissions d'aérobic. Bonjour à tous et merci d'être là pour cette émission exceptionnelle. Vous avez tous reconnu Mercenaire, ce tube disco sur lequel on a fait notre échauffement. Et nous avons le privilège d'avoir Chris Conti avec nous aujourd'hui. Ah. Bonjour Chris. J'ai tenu beaucoup à l'avoir pour son retour, à l'avoir dans mon émission, parce que je crois que je lui dois tout. Voilà. Aujourd'hui, tu as sorti un nouvel album qui est un album incroyable. Non, Chris, je crois qu'on ne peut pas fumer sur ce plateau pour la sécurité. Mercenaire, justement, fait partie de ces anciennes chansons que tu as reprises et tu vas nous l'interpréter. Non, Mercenaire n'est pas dans l'album Partance. Enfin, je ne crois pas. Ah, si, il y est. Et c'était très émouvant. C'était d'être si proche. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Et voilà, Il a changé comme moi, je crois. Et... Merci à tous. Ça a été extraordinaire. Merci Chris Conti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles petites séances d'exercice. À la semaine prochaine. Au revoir. Et qu'est-ce que t'aurais voulu faire? J'ai...
j'ai un don particulier pour la rêverie. Je comprends mieux ton père. Pourtant, aujourd'hui, il y a pénurie de rêveurs. À quoi tu penses ? À toi. Désolée. Mais je pense que c'est mieux si ça reste entre nous, tu crois pas ? Je suis mal pris, je reconnais, on a fait n'importe quoi. Mais elle a toujours été entière. Tu sais, depuis toi, il n'y a eu que toi. J'avais du mal à m'y résoudre, mais je crois qu'elle est vraiment malade. Tu sais, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'était pas comme ça, avant de te rencontrer. Je veux plus jamais entendre parler de vous trois. Tu me laisses partir maintenant et on est quitte. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Fanny ? Je me libère. Je suis libère. Tu crois que je te vois pas venir ? Tu comptes le revoir, c'est ça ? Tu dis vraiment n'importe quoi. Déjà joué ce rôle. Je comprends pas. Pourquoi m'avoir fait venir ici avec ce fou? Mais qui? Jacques Roman. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi.